Alors salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera la vidéo bilan de la quatrième semaine de mars et remplissage pour la dernière semaine de mars. Enfin, je sais pas vous, mais le mois de mars je le trouve long, mais long. J'ai l'impression qu'on est le 74e jour de mars là. Mais non, non, en vrai il y a que 31 jours, mais c'est hyper long je trouve. Mais enfin je sais pas, vous dites-moi en commentaire d'ailleurs. Et d'ailleurs merci pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Voilà, donc plutôt cool. Donc alimentation. Il n'y a plus rien. Donc en réalité, il restait 2,08 €, mais je les ai mis dans la boîte à pièces, quoi. Essence, il reste 20 €. Pourquoi? Parce que ma maman m'a mis de l'essence et du coup, j'ai complété avec 10 €. Voilà, tout simplement. Alors je vois ceux qui vont dire, ah, ta mère, elle te met de l'essence. Oui, ma mère met de l'essence parce que je fais 200 km pour l'emmener au travail minimum par jour. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'elle participe pour l'essence, ce qui paraît normal, mais bon. Voilà, donc 10 € dans animaux, donc ça je vais mettre directement dans l'enveloppe vétérinaire, voilà. Donc dans divers, j'ai fait un troc, donc manga il n'y a plus rien. Voilà, j'ai pas acheté un manga, j'ai acheté un jouet à mon petit frère, voilà. Il avait envie d'en jouer, j'ai dit oui, hein. Je n'achète pas tous les jours, donc c'est pas grave. Donc là j'ai échangé contre deux billets de 5 €. Voilà, donc j'ai toujours pas eu les sous que je vous disais, mais c'est pas grave, ça va venir après. Voilà, donc on va déjà mettre les 10 € dans animaux, dans vétérinaire plutôt. Hop, donc on va être à 50 €, donc plutôt cool parce que je pense que je vais devoir ramener Cookie au vétérinaire parce que il a encore des puces, voilà, et j'arrive pas à lui enlever. J'ai mis une pipette, j'ai un médicament par le vétérinaire, voilà. Je veux pas trop lui faire un shampoing parce que bon, les chats et l'eau ça fait pas bon ménage. Voilà, donc là on est le 26, donc on est à 50 €. Donc je pense que je vais le ramener au vétérinaire incessamment sous peu. Voilà, parce que je lui passe le peigne à poux. Oui, j'utilise un peigne à poux. Voilà, donc il se laisse faire, lui il s'en fiche, hein, il aime bien. Il a quasiment pas de puce en fait quand je lui fais, mais je me dis bah, c'est bizarre en fait parce qu'il y a toujours des boutons quand même. Ça lui fait des sortes de croûtes en fait. C'est un peu dégueu, mais c'est comme ça. Voilà. Hop. Donc du coup, là, on a 10 € en plus. Et franchement, les billets de 5, on en a pas mal ce mois-ci. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais. Franchement, c'est plutôt cool. Hein. Bon, les billets de 5, je sais toujours pas quoi en faire. Je pense que j'ai utilisé quand. Si je pars au parc d'attractions avec mon petit frère ou ma petite soeur, on verra bien. J'emmènerai pas les deux en même temps, ça c'est sûr, parce que le petit est quand même assez speed. Donc voilà. La grande, tranquille, mais. Le petit, voilà. S'il y a les deux, ça va être l'enfer. Enfin, je dis la petite. Elle a 10 ans, presque 11, mais voilà. Donc du coup, on est à 140 €. Plutôt cool comme économie. Sachant que en vrai, on a fait pas mal d'économies ce mois-ci. Vraiment, vraiment beaucoup comparé aux autres mois. Je pense que c'est aussi parce que j'ai eu la prime en début de mois. Hein. Voilà. Et c'est aussi parce que dans mes épargnes, en fait, habituellement, je compte pas le défi des sans enveloppe. Et là, du coup, il y a 200 € qui sont atterris dans le fonds d'urgence. Voilà, donc là, on va vider le classeur. Donc, je ne vais même pas noter, honnêtement. Donc, il y a alimentation. À chaque fois, je referme les enveloppes alors que je sais que je vais remettre des sous dedans. Donc, 20 €. Animaux, il n'y a plus rien. Restaurant, il n'y a plus rien. Mon cookie, il a besoin de rien parce que dans l'alimentation, il y avait une promotion sur la litière. Et du coup, j'en ai pris 6 boîtes. Et ça m'a coûté 14 € des brouettes. Et puisque j'ai acheté à manger à côté, bah, j'ai pris avec les sous de l'alimentation. Mais donc là, il est tranquille pour un bon moment. Donc, voilà. Donc
et 10 euros dans divers. Et voilà. D'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà fait votre budget pour le mois d'avril. Moi, j'ai déjà commencé à voir à peu près. Mais bon, je vais le faire vraiment quand je saurai combien je vais avoir de paye. C'est-à-dire, j'ai ma paye jeudi, donc je le saurai mercredi. Donc, voilà. Mercredi ou mardi, je sais pas. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des gros bisous. Ciao, ciao.